Et bonjour tout le monde et bienvenue à BCW Volume 13 à Sainte-Martine. Et le premier combat de ce soir, le guerrier Jason Gray affronte le nouveau venu à la BCW, le Smooth Operator Benny Key. Et quelle meilleure manière de faire sa marque dans une nouvelle compagnie, d'aller après quelqu'un de déjà reconnu, réputé, l'ancien champion de la BCW, le guerrier Jason Gray. Et Benny P, un nouveau venu, a débuté en 2023. Alors, je pense qu'il est rendu dans sa dizaine de combats. Alors, c'est pas beaucoup, mais on a déjà vu qu'à chaque fois qu'il est dans l'arène, il apprend, il se développe. Quelqu'un de futurement très, très imposant. Et maintenant, on voit Jason Gray le tient dans une prise de l'ours à l'envers. Oh, et voilà la technique que je vous parlais de. Le Smooth Operator qui se prend pour Houdini avec un tour de magie pour se sortir de la prise de l'ours. Et le guerrier Jason Gray, dernièrement, n'a pas bien terminé l'année 2023. On l'a vu qu'il a perdu le titre de la BCW ici même à Sainte-Martine. Et ça, grâce à son frère Kevin qui s'est retourné contre lui aux dépens du nouveau champion de la BCW, Black Dynamite, Jeremy Prophet. Et pour ceux qui étaient avec nous à Châteauguay, au tournoi Roi du Surroi, Jason a eu droit à son combat revanche, mais encore là, n'a pas pu détrôner Prophet. Alors, 2024 est l'année où que le guerrier doit faire comme il dit toujours, toujours se relever. Et Jason Gray en contrôle de ce combat. Et ce qui est difficile avec un nouvel adversaire, c'est qu'on ne le connaît pas beaucoup et on doit prendre des manières comme ceci. Oh! Et Benny P qui évite de justesse le saut suicide. Et Benny P qui demande aux fans s'ils saignent. Et Jason se lance, double axe handle, double coup du manche de la hache. Et Jason prend son temps. Oh! Le Smooth Operator ne sera pas aussi smooth sur sa poitrine. Et on dépose non délicatement Benny P sur le côté de la reine. Et on voit que Benny P tient le bas de son dos. Ce n'est pas fait pour les personnes douces, la lutte. Et Benny P qui casse les doigts dans les yeux. Oh, oh. Jason Gray qui l'accueille avec une corde à linge. Il n'y avait aucun lousse dans cette corde à linge. Le métal, si on veut. Et Benny P qui se promène alentour de la reine qui essaie de s'échapper à Jason Gray. Jason qui l'accueille. Oh, oh! Coup solide dans le dos. On voit la douleur dans la face de Benny P. Et Benny P qui en perd son ballon. Oh, et tête première dans le côté. Oh, et Jason Gray qui lui permet pas de ré-rentrer dans l'arène. Il le garde. Tête première sur la table. Et qu'est-ce que Jason Gray va faire? Oh, et ça, ça doit pas être bon pour Louis. Il doit en avoir mal aux oreilles. Oh, mais on a quand même eu le sens de se tasser. Oh! Et il prend le bras à Jason Gray, le plie d'une manière qui n'est pas posée. Maintenant, utilise le bout de métal. Oh! Et il a kické de toute force la main à Jason Gray. Pas une manière traditionnelle, mais pour être une manière fonctionnelle de gagner le combat, on doit faire tout ce qu'on peut contre quelqu'un comme Jason Gray. Et maintenant, la main est crapoutée par le pied de Benny P. Jason, toujours dans cette course. Oh! DDT, très bien exécuté par le Smooth Operator.
C'était un très smooth DDT. Et Benny, oh, qu'est-ce qu'il s'en va? Prend la main. Est-ce qu'il s'en va pour le Tequila Sunrise? Non. Il tient un bras avec ses pieds et l'autre peut la contrôler avec ses mains. Soumission très intéressante. Benny P s'est préparé pour le guerrier. Et la main de Jason Gray qui continue à lui faire mal. Et maintenant, les reins sont exposés. Par contre, Jason Gray renverse seulement un compte de 1. Et Benny P, aussi peu qu'on le connaît de lui, on peut voir sa résilience quand même et sa ténacité. Jason Gray, oh, oh, oh! Benny P qui rencontre le tapis. Stomp! On a vu la tête à Benny P rebondir sur le tapis. Wow! Compte de 2. Alors, comme je vous disais, la résilience de Benny P n'est pas à ignorer. Et est-ce qu'on va voir le Burning Hammer du guerrier? Il y a de la misère à le lever. Et voilà la douleur qui était infligée tantôt. Et Benny P reprend sa clé de bras et il contrôle aussi les doigts de Jason Gray en même temps. Comment rendre l'utile à la douleur. Et Jason Gray, très proche des cordes. Oh, et voilà, la prise va être brisée. Benny va avoir jusqu'au compte de 5. Et Jason Gray qui semble sortir de l'arène, et voilà. Est-ce que Benny P va le suivre? Et Benny P se lance. Oh! Rencontre le poteau! Jason Gray l'avait esquivé. Et Jason dans les cordes, tout de bélier. Et encore, Manhattan Drop! Jason se positionne DDT! Et Jason s'en va, positionne Benny P, Samoan Drop! 1, 2, compte de 2. Benny P qui montre énormément de résilience. La cravate est encore en vie. Et Jason, qui veut absolument avoir le Burning Hammer pour terminer cette histoire, mais a de la misère à cause de son dos, et maintenant Benny P qui tient encore la main. Et Benny P tente de déclenchement avec un genou dans la face. Benny P! Et la tête sur le genou! Est-ce que ça va être 3? 1, 2! Compte de 2. Benny P, très intelligemment, qui remet une clé de bras. Jason Gray a été immobilisé avec sa main et son bras. Benny P fait tout un numéro sur Jason Gray. Qu'il manque de grandeur et de grosseur, Benny P le reprend en technicalité. Oh! Et Jason Gray est en position! Burningham! Qu'est-ce que Jason Gray fait? C'est la fin habituellement. Uh-oh! Jason Gray s'en va dans les cordes! Handspring Cutter! On pense à Kevin Gray. 1, 2, 3. Et voilà! Premier match pour Benny P à BCW. On voit que l'école est là pour se prendre un nom, parce que ça n'est pas bien n'importe qui. Benny, good luck. Très gentil de la part du guerrier. Bel accueil. Oh! C'est le smooth operator qui refuse. Benny P qui commence pas à faire des amis à la BCW.